À la maison des Barricades de Marseille, que nous nous trouvons pour cet événement Femmes en Résistance, à côté de moi, Carmen Castillo. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être à mes côtés et de répondre à mes questions. Vous êtes réalisatrice et écrivaine chilienne. Vous venez de présenter le film que vous venez de réaliser, Rue Santa Fe, qui retrace, si j'ai pu comprendre un petit peu, votre parcours, qui a été d'une manière assez résistante, si j'ai envie de dire ainsi. Qu'est-ce que vous ressentez, tout d'abord, en tant que femme chilienne, que l'on fête cette journée internationale des droits de la femme ? Dans ce long parcours des femmes militantes, j'ai dans la tête toutes les rencontres des femmes d'aujourd'hui, qui luttent aujourd'hui pour les droits. Et je pense avec force que c'est un combat qui n'est jamais fini, dans lequel on doit en permanence être attentif à ce qui se passe dans le présent. L'histoire de ce film retrace les destinées des femmes effectivement chiliennes, de tous les secteurs de la société chilienne qui se sont, comme toujours, non, je crois qu'on prend conscience très jeune de ce qui nous indigne. D'abord on s'indigne, ensuite on fait les premiers pas et ça devient un engagement pour la vie. Donc dans ces longs itinéraires de vie engagée, la question que je me posais sur l'engagement spécifique des femmes de ma génération et plus jeunes et plus vieilles, de ce qu'a été le combat contre la dictature de Pinochet, une dictature brutale, sanglante, parce qu'elle est venue écraser un mouvement d'avancée des droits, d'avancée des libertés, d'émancipation et de rêve. Et cette dictature a été, en plus, ça concerne le monde entier, puisqu'elle a, pour la première fois, imposé par ce que Naomi Klein appelle la doctrine de choc, provoquée en écrasant, en massacrant la peur. La peur dans toute une société qui était, comme on dit, dans une énergie amoureuse, en train d'expérimenter, de créer, d'inventer une société plus juste et libre. Et voilà, cette doctrine de choc, cette guerre contre la population, le peuple chilien, a impliqué qu'on a appliqué pour la première fois dans le monde ce modèle, ce système néolibéral, ultralibéral, où les droits sont bafoués et on avance avec une seule prémisse, l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez eu justement dû faire face à cette dictature? Vous étiez sans doute une jeune femme. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je pense, c'est pour ça que je reviens toujours au premier pas, c'est que dans la vie, il y a des moments où la question « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc le lendemain du coup d'État, « qu'est-ce qu'on fait ?» Mais pour moi, il n'y avait pas le choix. C'était une évidence qu'il fallait passer dans la clandestinité, s'organiser et lutter. Donc c'est des mouvements profonds. Et je voulais simplement dire que résister, c'est des gestes quotidiens. Et les femmes, nous sommes habituées à ça. Donc il y a défendre la vie, défendre les rêves, défendre l'enfance, l'amour. Et ça vient avec le corps entier. Et à ce moment-là, ce jour-là, nous avons été des milliers, des milliers, des milliers qui avons fait ce pas, tout simple, par amour, par conviction, par
l'impossibilité d'accepter la mort comme seul horizon. Et nous avons défendu, comme on a pu, donc depuis la clandestinité, depuis les secteurs, les femmes ont résisté au Chili dans les années, moi c'est les années 70, les femmes des années 80, dans tous les quartiers populaires, étaient à la tête du mouvement de résistance ouvert, en inventant des formes de lutte, d'ailleurs parfois pleines d'humour. Et c'est elle qui était là, c'est-à-dire cette vieille histoire qui concerne, pourquoi ça concerne la France. Bon, la France, le Chili, c'est une très vieille complicité historique aussi. Allende était la possibilité réelle d'un socialisme démocratique, le pari du président était clair. Et pourtant, voilà où nous étions. Et à ce moment-là, pour nous, l'essentiel était toujours de rappeler que c'est des petits gestes qui font une résistance, c'est des petits actes, c'est pas les grands héroïques. Donc on peut devenir des héros, mais les héros sont morts. Ce qui importe, c'est tous ces héros anonymes qui vivent. Et ça, je l'ai retrouvé aussi en faisant mon deuxième film qu'on a présenté grâce aussi à Michel Dossetto à Marseille, dernier film sorti en 2015 qui s'appelle On est vivant, où j'ai filmé dans les quartiers nord de Marseille. J'ai filmé des femmes époustouflantes de vitalité, d'une pensée capable de détruire la violence par leur acte et par cet appel permanent à un passé qui est plein de présent, un passé qui ouvre un horizon. Donc c'était presque ce saut dans le temps que j'ai fait entre rue Santa Fe qui retrace l'engagement, la résistance des années 60, 70, 80 et le présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe partout dans le monde? Et bien là, j'ai rencontré encore une fois la beauté de l'engagement, la beauté de la résistance, la vitalité, la gaieté, l'humour. Ce qui fait que je ne sais pas comment on fait pour vivre dans la soumission. Je ne sais pas comment on fait pour... Bon, le système essaye par tous les moyens de nous rendre impuissants, de nous rendre tristes. Et je me dis, dans ces espaces où la défense, le cri de révolte, l'appel à un horizon autre, et là, ben, ce qu'on trouve, c'est la vie. Comment vous sentez là aujourd'hui après cette transmission, cette projection de votre œuvre? Mais Marseille est devenue pour moi un lieu, une ville du soleil, de l'amitié, des affects et de l'espoir. Parce que ce que j'ai rencontré à travers l'amitié avec Geneviève et Michel et mes affects profonds avec ces femmes des quartiers nord, j'ai trouvé vraiment l'étincelle qui me fait dire que on n'a pas perdu, on n'est pas vaincu. Mmh. C'est-à-dire la continuité que, oui, c'est la continuité sous d'autres formes. Mmh. Donc il y a un côté romanesque dans l'histoire du film Rue Santa Fe, puisque c'est une histoire d'amour, une tragédie, c'est l'homme que j'aimais, le chef de la résistance qui est mort, mais l'esprit, j'ose dire, de révolutionnaire. Liberté, de liberté. Hein, de vouloir et de créer immédiatement, dans ce présent-là, de tenir les braises, hein, de sentir que les braises allument un feu et que même si ça n'existe plus, un horizon clair, même si on sait qu'on
les lendemains chantent pas, même si on sait qu'il faut la longue durée, même si on sait que c'est très difficile, même si on sait que le quotidien est trop dur, avec le chômage, avec toutes les violences, n'empêche que malgré tout, on avance et on fait, et ça c'est particulier des femmes, je pense, on lutte et on crée en même temps. Ça change tout. Alors, quand vous êtes dans la réalisation avec derrière la caméra et que vous allez vers toutes ces personnes-là, je pense à ces femmes dans les quartiers nord. Elle s'appelle Fatima, Karima et Fadela. Comment les avez-vous approchées? Par quel sentiment vous les avez approchées? Je me suis, parce que dans les comme je fais un film, et je ne peux pas filmer si je les connais pas. Ouais. Donc il faut un temps de rencontre, de s'installer dans l'espace, de les écouter. Et c'est seulement après que j'arrive avec une caméra et une petite équipe qui travaille avec moi. Et c'est comme ça que je peux saisir la parole. Donc, pour me présenter, je dis humblement, j'ai fait ça, j'ai montré rue Santa Fe, que j'avais fait en 2007. Et ensuite, on a parlé de nos vies, de comment ça se passait. J'ai compris que je pouvais, avec elle, être... la nuit, filmée, j'étais accompagnée par un jeune Daouda qui est au milieu des séquences qu'on tournait. Je l'ai rencontré et ce garçon de 20 ans est un poète. Il m'a montré la cité du haut avec les oiseaux, la liberté, l'émancipation. Il a dit deux phrases qui sont des phrases qui m'ont accompagnée toute ma vie. Il a dit: c'est ici, me dit-il, sur les toits des tours, en regardant les oiseaux, l'horizon, la mer, très jeune, encore un enfant, que j'ai compris qu'il fallait passer de la vie à l'existence. Donc il fallait passer de la survie à l'existence. Et il a dit aussi, le bonheur, ça n'existe pas si ce n'est pas tous ensemble. J'ai compris dans les quartiers nord de Marseille avec ces femmes. Bon, le film est aussi tourné en Bolivie, au Brésil, et à Paris. Enfin bon. Mais j'ai compris qu'on ne pense jamais tout seul. Et faire du cinéma, c'est un travail pour moi collectif. C'est-à-dire, je ne suis pas seule. Je travaille avec une équipe et je suis en dialogue permanent avec les personnes que je filme. Et donc, dans Rue Santa Fe, comme dans On est vivant, et voilà, d'autres travaux que j'ai faits, ce qui m'importait, c'était de montrer la beauté de l'engagement. Et le fait de projeter ce film dans la maison des avocats, dans un lieu de défense, est-ce que ça a une connotation particulière, un sens particulier, plus profond? Mais d'être ici, cet après-midi, dans la maison des avocats, invité par Geneviève, le 8 mars, c'est pour moi un cadeau d'énergie extraordinaire, parce qu'on ne peut pas dire que le monde est gay en ce moment. Au Chili, même s'il n'y a plus la dictature, c'est très cruel, très dur. En France, c'est très difficile. D'être ici et de lever la défense des droits, c'est une manière de rappeler qu'on peut. On peut. Et d'être ici avec des avocats qui défendent le droit et les démunis, les perdants, et c'est pour moi un honneur, et de ramener ici des histoires anciennes, de les remettre au présent en circulation pour donner l'énergie de continuer.
ben voilà, je dormirai très bien cette nuit. Merci beaucoup, Carmen Castillo. Merci. Merci.